Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture du courrier pour le concours et donc les résultats. Mais avant, je voudrais faire un petit rappel sur les lots qu'il y a à gagner. Donc, j'ai changé deux, trois petites choses parce que j'avais envie. Voilà, tout simplement. Alors, pour le troisième lot, donc il y a une presse à tampons. Donc ça, je l'ai rajouté. Une presse à tampons. Des papiers mini. Voilà, il y a un peu toutes les sortes. Ensuite, vous avez des petites cartes avec les enveloppes mini. Les tags mini. Donc là. Voilà. Ensuite, vous avez la table punchboard. Les tampons avec les dice bordures. Et la petite brosse pour les dies fins. Donc voilà pour le troisième lot. Ensuite, pour le deuxième lot, donc c'est une pochette de rangement de chez Soluscrap. Voilà. Donc vous avez avec les pochettes 30-30 pour ranger les papiers 30-30 dedans, donc il y en a 5. Les petites demi-pochettes, vous en avez 10, toujours de chez Soluscrap. Ensuite, vous avez ce magnifique bloc de papier A4, donc vous avez 30 feuilles de chez Prima, Flirty Fleur. Il est juste sublime. Bon, je passe vite, hein, mais. Voilà. Ensuite, vous avez des tampons sur la grossesse, les naissances et les bébés. Voilà. Ensuite, vous avez une perforatrice bordure de chez Stampin' Up qui est toujours au catalogue annuel. Voilà. Et pour finir, des échantillons de la nouvelle collection printemps-été de chez Stampin' Up, du nouveau catalogue. Donc vous avez celui-ci, vous avez cela, ensuite les petits sacs à main, je vais y arriver, les petites chaussures, celui-ci, les petites fleurs, les nénuphars, à l'endroit c'est mieux. Voilà. Et puis celui-là. Hop. Donc voilà pour le troisième lot. Deuxième lot, pardon, excusez-moi. Et donc le premier lot, c'est un bon d'achat de chez Stampin' Up. Alors ensuite, les ouvertures de courrier. Donc j'ai déjà rangé dans un petit classeur. Voilà. Ce que je veux garder et que je ne me servirai pas dans mes créas. Donc ça, c'est Vanessa et ses enfants. Donc ils ont fait donc un petit junk journal, des ATC. Donc ses enfants, c'est ces deux-là, le hérisson et le chat. Et elle a fait ces deux-là. Voilà. Ensuite, ça c'est Carole, une petite carte. Avec donc là, il y a un échantillon de ce qu'elle m'a fait dedans. Parce que ça, je les trouve jolies. Du coup, je ne voudrais pas l'utiliser dans mes créas. Et avec, elle m'a fait donc une petite pochette comme ceci. Une petite enveloppe. Alors par contre, j'ai tout mélangé dedans du coup. Et il y avait des dentelles comme ça, avec plein de petits embellissements dedans. Ensuite, vous avez Cindy qui a fait cette magnifique carte. Avec les cartes embossées. Et donc, elle m'a fait tout ce qui est découpe, les découpes à la Big Shot. Voilà, avec le petit nœud, les petits tampons. Je pense que ça doit être passé à la mink, je pense, je suppose. Et voilà, elle m'a fait des découpes à la Big Shot. Et il y avait un petit ruban blanc avec. Voilà. Et ensuite, en dernier, vous avez Corinne, donc, qui a fait cette double enveloppe, donc avec des petits embellissements dedans. Voilà, là vous avez un morceau de comme ça, du tulle.
Là, il y a un autre petit morceau de dentelle. Voilà. Et avec, donc, il y avait des petites fleurs en papier, des petites shakers Noël et des petits embellissements en bois. Donc voilà pour tout ce qui est lot et découverte du courrier. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Donc voilà, oups, mise au point, c'est bon. Donc je vous retrouve pour le tirage au sort. Donc vous voyez, il y a tous vos noms, vos prénoms, pardon. Et donc je fais tourner la petite roue. Comme ça, c'est en direct et il n'y a pas de triche. Donc le troisième lot est pour Vanessa. Félicitations Vanessa. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième tirage au sort pour le deuxième lot. Donc Vanessa, vu que tu as remporté le troisième lot, j'ai enlevé bien évidemment tes enfants, hein. Mais je leur ferai quand même un petit cadeau. Voilà, pour les remercier de leur participation. Donc c'est parti pour le deuxième lot. Désolée, hein, c'est pas net, c'est que je filme avec mon ordinateur, donc du coup c'est pas tip top. Mais bon, on fera avec. Et la gagnante pour le deuxième lot est Cindy. Félicitations Cindy. Donc voilà, donc là ça va se jouer entre Corinne et Carole. Allons. Allez, c'est parti. Donc qui de Corinne ou de Carole va gagner le bon d'achat de 50 euros chez Stampin' Up? Nous allons le savoir tout de suite. Je suis désolée, la mise au point. Et donc c'est Corinne, je suis désolée, on voit pas très bien. Je suis vraiment désolée. Voilà, Corinne, voilà, on voit le prénom. Donc voilà Corinne, donc félicitations. Et donc Carole, eh ben désolée pour toi, mais tu auras quand même un petit cadeau de ma part. Voilà, eh ben écoutez, merci à toutes pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt!